Assalamu alaikum. L'attentat en Russie. Ouais, c'est le djihad islamique. Ils prennent vraiment les gens pour des moutons, c'est incroyable. Ils nous prennent vraiment pour des neuneux. Hein. Je viens de voir une vidéo, c'était une personne qui parlait le russe et bien, très très bien le français, qui expliquait qu'ils avaient déjà attrapé, je pense, 4 assaillants ou 5 assaillants. Et le premier, il avait déjà commencé à parler. Et ce qu'il disait, c'est que il était engagé via le groupe Telegram. Vous imaginez, du groupe Telegram pour 5 000 balles, quoi. T'imagines, hein, pour 5 000 balles, il a tué 115 personnes, quoi. Et le Russe, il expliquait, et moi, je crois ça aussi, tu vois, ça m'étonnerait pas. Lui, il en est presque sûr que c'est ou les Français, ou les Anglais, ou les Américains qui ont engagé des gens pour faire ça, quoi. Et la Première Guerre mondiale, elle a commencé aussi comme ça, en fait. Tu vois, ils ont tué, je pense, c'était un Autrichien, je pense. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et moi, je pense la vérité, ils veulent vraiment déclencher la Troisième Guerre mondiale avec la Russie. Et le problème, c'est que ils ont attrapé 5 types, quoi. Et si les 5 types, ils parlent, et ils vont parler, la Russie va vraiment savoir qui c'est, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, ça va aller dans la mauvaise direction, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais toujours misérable, tous ces news et toujours avec leurs conneries, quoi, et que c'est les musulmans, c'est les musulmans. On dirait que les musulmans, ils vont attaquer la Russie, quoi. Alors que la Russie, c'est presque des alliés des Arabes, quoi. C'est ridicule, quoi. Donc voilà, moi je pense que de toute façon, si ça continue comme ça va plus durer longtemps, quoi. Avant que tout va péter ici. Allez, bon courage à tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci d'avoir regardé.